Le conseil provincial du MPS du Charibacrimi affiche ses armes pour les élections de 2021. À Kondo, localité située à 20 km au sud de N'Djamena, le secrétaire provincial du MPS est venu mobiliser les militants et sympathisants à se faire enregistrer sur le fichier électoral. L'enrôlement est prévu du 1er au 20 octobre 2020. Kadre Saleh Kana est venu également accueillir Djibrin Alifa, président du Parti national démocrate africain, RNDA, qui regagne le mouvement patriotique du salut. Le maire de la ville de Kondoul, Ali Dayan, et le secrétaire exécutif départemental du MPS du Chari, Iba Omar Moumine, ont salué la décision de ce grand homme de regagner le parti rassembleur. Pour Djibrin Alifa, son retour au MPS vise à relever le défi qui s'impose à ce parti, notamment la constitution d'un Tchad fort et prospère. Tout en souhaitant bon vent aux désormais militants du MPS, au secrétaire général provincial du MPS du Charibacrimi a relevé que le parti reste ouvert à toutes celles et ceux qui veulent participer à la consolidation de la démocratie. Nous aussi, nous sommes prêts à tendre la main à nos opposants de venir renforcer le maréchal Idriss Déby. Donc, si nous sommes aujourd'hui ici, notre grand frère Djibril, qui était parmi les éléments d'Idriss Déby au départ, avec son parti politique, il est parti. Il a constaté que là où il est parti, ce n'est pas bon. Il est obligé de revenir dans la légalité. Vous avez constaté aujourd'hui, il est venu avec une masse. Nous l'avons tendu la main. Le MPS est là pour ça. La main tendue du maréchal à l'armée, à la population, aux politiciens, c'est ce que nous devrions faire, nous les jeunes du MPS. Le secrétaire général provincial du MPS du Charibacrimi a profité également de l'occasion pour sensibiliser les militants du MPS de Kondoul sur l'importance du recensement. Pour lui, seule la carte électeur permet aux militants d'exprimer son choix. Militante et sympathisante du MPS de Kondoul, Kadre Saleh Kana les rassure de porter leur doléance auprès de la première dame du Tchad, Hinda Déby Itno.